Si vous avez été enseignant, il y a des blocages dans les lycées ce matin. Les lycéens qui manifestent contre la précarité des lycéens, des étudiants et contre la réforme des retraites en juin. Laura Pouget devant le lycée Fénelon. Bonjour Laura. Bonjour Audrey, le blocage au lycée Fénelon avait commencé à 6h30 et là vous voyez, regardez sur ces images, le déblocage est en cours. Alors les lycéens commencent à enlever les poubelles qu'ils avaient placées en fait devant l'un des bâtiments du lycée, le bâtiment qui est réservé aux élèves de seconde et de première, afin de laisser sereinement travailler les terminales et les classes préparatoires dans un autre bâtiment. Depuis ce matin, tout s'est passé dans une ambiance calme, plutôt festive, avec quelques chants. Vous voyez, hein, le déblocage s'effectue toujours ici et dans le calme, sous l'œil réprobateur de la proviseure, hein, qui a quand même fait une petite visite et menacé de convoquer un conseil de discipline, et sous l'œil plutôt bienveillant de quelques parents d'élèves, dont Georges. Georges, vous êtes parent d'élèves. Pourquoi vous êtes venu assister à ce blocage ce matin ? Bonjour, et bien ce matin, j'ai voulu participer à cet événement puisque je voudrais en savoir un peu plus. Je voudrais savoir de quoi il s'agit, comment se sentent les élèves, qu'est-ce qu'ils demandent. J'étais en contact avec la direction aussi puisque je suis effectivement au conseil d'administration. Pour l'instant, je reste un petit peu... On a du mal parfois à connaître leurs revendications. Ils nous parlent beaucoup de la réforme du bac. Ils sont concernés par la réforme des retraites. Ils se sentent concernés. Alors là, c'est un petit peu tôt, même si je peux saluer toutes les initiatives de la jeune génération, mais je pense qu'ils sont un peu loin encore des réformes qui se font, puisque à leur âge, je pense qu'il y aura d'autres réformes quand ils seront à la retraite qui seront passées par là. C'est bien de se poser la question, mais je pense que dans le concret, ils peuvent travailler sur des points plus importants de leur quotidien. Mais ils ont raison de se poser des questions. On vous sent dans une position d'écoute. En tout cas, certains de ces lycéens veulent rejoindre le cortège parisien tout à l'heure qui débutera à 13h30 place Vauban. Merci beaucoup.